La première étape de la réussite, c'est d'avoir un maximum d'énergie pour changer de cap, pour apprendre une langue étrangère, pour monter votre entreprise, pour reprendre des études, pour lui dire je t'aime, pour fonder une famille, pour déménager, pour faire votre premier investissement. Si tu n'as pas d'énergie, tu vas abandonner, tu comprends? À quel moment vous avez douté de vous-même dans cette aventure, dans ce changement de vie, ce changement de cap, ce projet, ce diplôme à obtenir, ces études, dans ce projet de couple, dans le courage que vous avez eu à lui dire je t'aime, dans le fait de monter une entreprise, à quel moment vous avez douté de vous? À quel moment vous avez osé vous dire des vilaines choses sur vous? À quel moment vous avez répété les injures des autres? À quel moment vous avez répété les doutes des autres? À quel moment vous avez douté de vous-même? Dans quelle situation vous avez douté de vous-même? À quel moment? Le matin, le soir, le midi? À quel moment vous vous êtes mis à douter de vous-même, les amis? Dans des périodes où vous aviez très peu d'énergie. Et c'était souvent le soir, en fin de journée, après un repas trop copieux, dans une période de manque de lumière en plein hiver, dans une période de manque de sommeil, après être passé en réunion avec des gens toxiques. Mais c'est dans ces moments-là que vous abandonnez, dans les moments de baisse d'énergie. Vous comprenez? Donc pour réussir, la première étape, la numéro une, c'est l'énergie. C'est la santé, la vitalité, mentale et physique.